Dans une vidéo qui nous a été envoyée par un internaute, un étudiant africain témoigne des atrocités subies. Pas seulement. Il révèle en effet la volonté manifeste des autorités ukrainiennes à forcer les étudiants du continent africain à combattre l'armée russe à leur côté. Une violation flagrante de la Convention de Genève. Pourtant, les autorités ukrainiennes sont plébiscitées sur toutes les chaînes d'information occidentales. Cette situation devrait faire réfléchir les autorités africaines. À la frontière de l'Ukraine et la Pologne. En tout cas, c'est compliqué, surtout pour nous, les étrangers, de passer. Les étrangers africains, nous avons des problèmes pour passer. On privilège, c'est normal qu'on privilège les femmes et les enfants, mais les hommes, nous restons du matin au soir. On passe la nuit sous la fraîcheur, debout. Il n'y a pas mangé, il n'y a pas quoi. On est debout, on a fait plus de 4 jours sans rien manger. Moi, je peux l'affirmer. Les militaires qui sont là et d'autres agents de sécurité, ils vous le disent, vous allez rester ici, vous fuyez la guerre, restez ici, vous allez combattre avec nous. Vous ne partez pas, et surtout vous les Noirs, ce sont des histoires qui se disent, pas même que non, on peut les cacher, non.